notre vol pour Addis Ababa et ensuite on prendra le vol Addis Ababa, Madagascar, Antananarivo. Oh là là, retour à Madagascar. On est bien arrivé en Éthiopie. Ah ouais, et donc là, on doit attendre 3 heures pour le vol pour Antananarivo. Bon, les amis, je sais quand la dernière fois qu'on s'était parlé. Bon bref, on s'en fout parce que je suis arrivée à Madagascar. C'est un truc de fou, je suis dans mon pays natal après plus de 10 ans. Bon, je peux pas vous expliquer comment je me sens là, mais je peux vous dire que j'ai été accueillie à l'aéroport par mes cousins, cousines, tantes que j'ai pas vues depuis des années. Je suis tellement heureuse. Là, on est arrivé à l'hôtel. On va rester juste une nuit puisque demain matin, on va avoir notre vol pour l'île Sainte-Marie. Je vais voir toute ma famille du côté maternel. On est arrivé à l'hôtel Atana, donc c'est un hôtel qui se trouve à 5 minutes de l'aéroport. Ils viennent vous chercher directement, donc c'est super. L'hôtel est magnifique, donc je vais vous montrer. Nusimang Atana. Donc les amis, là c'était le grand départ pour l'île Sainte-Marie. Donc faut savoir que l'île Sainte-Marie, c'est une île qui est située au large de la côte est de Madagascar, qui mesure 60 km de long et 5 km de large et compte 26 000 habitants. Bon, on est bien arrivé à Sainte-Marie. On est arrivé hier, on était tellement fatigués. On n'a presque pas dormi quand on était à Antananarivo. Et donc là, c'est notre deuxième journée. On a passé notre première nuit sur l'île. Et là, on va aller. De la deuxième journée à Sainte-Marie, ça passe trop vite. Voilà, depuis que je suis arrivée, je pense pas trop à vlogger parce que en fait, je profite tellement, je veux tellement vivre le moment présent que voilà, j'y pense pas. En tout cas, je me sens vraiment bien. C'est vraiment un autre monde et c'est juste le paradis quoi. Ici, on regarde pas Netflix. En fait on est juste heureux, on vit simplement, on s'occupe simplement, il n'y a pas de superflu et je me sens trop bien, je me sens chez moi, je me sens en paix avec moi-même et je suis trop contente d'être venue
de voir ma famille. Voilà. Ma grand-mère, elle a acheté du poulpe. Donc en fait, tous les matins, il passe ici pour nous vendre des fruits de mer. Du coup, aujourd'hui, c'est du poulpe. Ah, hey, c'est dur. Hein. C'est dur. Aujourd'hui, on va à l'île aux Nattes. C'est une île qui se trouve de l'autre côté de l'île où on est. Donc je vous amène avec moi, c'est parti. Ça, c'est un champ de riz. Ça, c'est ce qu'on a mangé ce matin. C'est jackfruit. Et là, c'est le puits pour prendre l'eau. Encore. On est sur l'île d'Anir Bay en malgache et île aux Nattes en français. Des fois, ils toquent à ce tombeau de food avec extrait vanille, extrait de coco. Des fois, ils toquent. Et toi, tu as le tombeau de la. C'est des feuilles de vanille. Et après, c'est quoi qui est fait? C'est là qu'on va, Maison Blanche. La vue ici, elle est juste incroyable. Ah, on est au Mib en fait. Ouais. On est là. On est là. On est là maintenant.
Hello. Hello. Regarde mon colis. Vas-y, regarde. On vient d'acheter. Voilà. Moi aussi. Je suis un vrai mangage maintenant. Donc les amis, si vous êtes arrivés à ce moment-là de la vidéo, c'est que vous avez sûrement envie de venir à l'île Sainte-Marie. Donc si vous avez envie de venir à l'île Sainte-Marie et vivre la même expérience que moi, voilà, exactement la même, je vous invite à regarder la page Instagram que je vous invite sur l'écran. Donc il s'agit de notre maison d'hôtes familiale. Donc là, vous pourrez avoir accès à un hébergement et la restauration est également sur demande. Donc n'hésitez pas à consulter, je vous mets ça dans la barre d'infos. Donc je suis en train de prendre le petit déjeuner. Je vous ai déjà montré hier, mais je vous ai pas expliqué. Donc là, ça s'appelle des moufkas. C'est à base de farine de riz. Ça, c'est, je sais plus comment ça s'appelle. Moukar. Ça s'appelle des moufravn. Il faut savoir que moufou, ça veut dire pain, et ravn, ça veut dire feuille. Donc c'est comme ça, en fait, c'est un mélange de banane et de farine de riz. Et on le met dedans comme ça. Et vous voyez ça, c'est le mélange de banane et farine de riz. Et ensuite, on fait cuire ça dedans à la vapeur et ça donne ça. Et c'est trop, trop bon. Je viens de rentrer et ma grand-mère, elle a fait des bonbons coco. C'est comme du coco râpé avec du caramel. C'est très sucré et ça donne un truc comme ça. C'est trop bon. Je me trouve devant le coucher de soleil. Aujourd'hui, je vous ai presque rien filmé parce que, en fait, juste après le petit déj, je suis allée faire des documents. En fait, je suis allée faire ma carte d'identité malgache. Et ça a pris toute la journée. Voilà, la bureaucratie à Madagascar. C'est déjà la fin d'après-midi. C'est le coucher de soleil et on est parti faire un tour avec le quad. Et franchement, le quad, c'est trop pratique. C'est trop bien pour se déplacer à Sainte-Marie. Donc, il faut savoir qu'ici, le mieux pour se déplacer, soit vous avez une grosse voiture 4x4, soit soit vous prenez le tuk-tuk, soit vous avez un quad comme nous, vous faites la location ou scooter. Il faut savoir que la route ici, elle n'est pas très bonne. Il y a plein de petits trous. Donc, voilà. Mais nous, le quad, c'est trop bien. Bonjour. Aujourd'hui, on va aller aux mangroves. Et ça se trouve un peu loin, donc on s'est réveillé tôt. On a pris les petits déj, comme d'hab. On va y aller en tuk-tuk. On est à peu près 2h, 2h30 pour arriver. Regardez, là, il y a des canards. Là, c'est notre maison. Et là, c'est les canards. Thank you.
tonton. On est là. Ton chapeau là. Et on va là. Où ça? Eh ben, et on va visiter tout ça. Donc là, on va prendre des pirogues pour aller visiter la mangrove. Ah, on va à la plage d'abord. Après, on va visiter. Attention. Là, on a laissé notre pirogue et on est en train de marcher pour aller jusqu'à la plage. Réalisé avec les images, mais c'est juste incroyable. En plus, il n'y a personne. Ça se voit que c'est vraiment une plage sauvage. Incroyable. C'est quand vous venez à Sainte-Marie. Baigné, c'était trop bien. On rentre, donc là on va aller manger. En fait, ici ça s'appelle le baie d'Impani et vous avez vu, on a fait le tour en pirogue et tout. Et en fait, quand on vient chez Samson. Chez Samson, c'est un chef cuisinier. Et en fait, il vous fait à manger quand vous arrivez. Vous commandez déjà ce que vous voulez manger. Et ensuite, vous allez faire votre promenade et tout ça. Et après, ben, quand vous rentrez, ben, c'est tout prêt déjà. Donc là, nous, on va aller manger chez Samson. Et voilà. Donc, ce qu'il nous a expliqué ce matin, c'est qu'avant, les gens, quand ils venaient ici... En fait, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'endroit pour manger. Il faisait beaucoup de routes et au final, ben, il n'y avait rien en fait. Et du coup, il a créé son restaurant pour les gens qui viennent visiter ici. Et comme ça, ils peuvent s'arrêter pour manger chez lui. Voilà. Ah, il vient d'avoir un serpent. J'ai trop peur des serpents, moi. Moi, j'ai pas vu. Hein. Ils ont juste dit, j'ai commencé à crier et tout. J'ai trop peur des serpents. C'est ma phobie. Okay. Il y a des moments où on doit marcher parce que le tuk-tuk il peut pas. La route elle est trop mauvaise. Et des fois même on doit pousser aussi le tuk-tuk. Oh, une expérience incroyable. Bienvenue à Madagascar. Ah, okay.
aujourd'hui je vais aller chercher ma carte d'identité parce que c'est prêt et normalement aujourd'hui on doit prendre cet après-midi on va aller prendre le pirogue, visiter un peu, mais pour l'instant je vais aller en ville chercher ma carte d'identité. Donc c'est parti. Aujourd'hui, on se retrouve pour aller à l'île aux sables. Ah ouais, c'est ça. La barrière de corail. Maintenant, on est dans la mer très profonde. Il fait peur, il y a des vagues. Oh là là. Ça va? Non. En vrai, je rigole, hein, mais. Croyez pas, hein. Là, j'ai trop peur. Bien arrivé sur l'île au sable. C'est île au sable. C'est incroyable quand même. La nature, c'est fou ce qu'elle peut faire. Bon, j'avoue que c'est pas rassurant. Hein. Juste un bout de terre et la mer de chaque côté. C'est incroyable quand même. Bon, on a fini. De toute façon, il n'y a pas grand chose à faire ici. Hein. À part faire des photos et admirer la vue. Maintenant, le retour dans la mer agitée. Bon, ça va bien se passer. Si vous voyez une suite, c'est que normalement, je suis arrivée vivante. Ah, ici, on ne peut pas mettre de chaussures. On n'a pas le droit de mettre de chaussures quand vous venez sur l'îlot. Il y a plein de coquillages et de petits rochers. Ça fait mal aux pieds. C'est quand que vous venez à Sainte-Marie?
coup, on a mis des gilets parce qu'on a trop peur. Vous voyez là la mer? Là, il y a des barrières de corail. L'eau, elle est plus claire. Et de l'autre côté, il n'y a pas de barrière de corail. Et c'est moins clair. Ouais. Ici, ça, bonbon anglais, c'est notre limonade à Madagascar. Cheers! Donc on a pris le quad, donc on est allé jusque, parce que les cascades c'est plus dans le nord de Sainte-Marie, on a pris le quad. Dernier jour à Sainte-Marie. Hey, mais demain on part pour Tamatav. Voilà, donc là s'achève notre séjour à Sainte-Marie. Il était temps de partir pour Tamatav. Donc là on a pris le bateau le matin très tôt. Donc je me trouve à Tamatav avec mon cousin. Hey. Dédicace à... Ah, tu connais. On se retrouve à Tamatav. Plus précisément à Dépôt. Dépôt dans la commune. Yes. Représente. C'est Pouktan Dépôt. Donc, comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas vraiment filmé la partie de mes vacances à Tamatav. C'était un moment vraiment très important pour moi. Je voulais vraiment profiter avec ma famille, mais je voulais quand même vous montrer mes vacances à Sainte-Marie. Donc j'espère que ça vous a plu. Là, je passe mes derniers instants à Tana. On est retourné dans le même hôtel. On a mangé du varem nan. Voilà, c'était trop trop bien. J'ai bien profité avec mes cousins. Et voilà, j'ai bien profité de mon séjour, de mes derniers mois. Bienvenue à le dernier épisode de ce voyage. Non, 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 je rigole. On a encore demain et toute la trajectoire de notre rentrée à Budapest. Donc là, c'est le moment de partir pour l'aéroport. Donc, je voulais juste dire merci, Mada, de m'avoir rappelé où sont mes racines. Ce voyage m'a vraiment permis de renouer avec ma famille et de redécouvrir la beauté, la richesse de mon pays. Je vous invite à venir à Madagascar. C'est pas seulement le pays les plus pauvres, comme on dit souvent à la télé. C'est aussi l'un des plus riches en culture, en histoire et en beauté naturelle. Et je vous invite à venir explorer, à rencontrer les habitants. Et c'est sûr que vous en ressortirez encore,
encore plus riche. Madagascar a tant à offrir. Et voilà, je lui dis à bientôt et merci de m'avoir accompagnée dans ce voyage. Donc les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager, pourquoi pas, pour donner envie à vos amis de venir sur l'île Sainte-Marie. Et voilà, merci d'avoir regardé en tout cas et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo.